Salut les mecs, comment ils vont les gosses? Bordel! Les gars, sale temps dehors. Mais bon, c'est pas grave. C'est bon ça papa. Bon, allez. Trêve de plaisanterie. Bon les gars, hier bien. Combiné Paris Saint-Germain, Nice, ça passe. Paris gagne et Milan AC gagne. Donc on a un combiné qui passe tranquillement. Enfin tranquillement. Ça a été difficile pour Paris. Et pour Milan, j'ai fait un petit combiné buteur, Messi, Cricri, voilà, ça passe, ils ont fait le taf. Enfin, on avait mis une cote à 4, Marseille qui perd à domicile, chose qui a été faite avec un peu de rebondissement, un peu de bordel sur la pelouse, bien sûr. C'est devenu la mode, voilà, les gens rentrent et ça bagarre, bon bref, on se croirait à un match de rugby. Donc plutôt satisfaisant, on a tout qui passe sauf un petit combiné là, espagnol. Barça qui fait pas le taf, il manquait un petit but. Et puis Celta Vigo qui nous arrache le nul là, bon bref, à Obligado. Aujourd'hui les gars, pas trop de matchs les mecs, hein. On rentre dans une période un peu de international. Les matchs amicaux, ça on va se régaler là aussi ou là-dessus. Aujourd'hui les mecs, Brest qui accueille Nîmes. Nîmes deuxième du championnat, très en forme à l'extérieur ou à domicile, peu importe. C'est plutôt pas mal. Moi je vois Nîmes ou match nul, voilà, pour faire du save, du safe au possible. Donc je mettrai Nîmes ou match nul. Pas forcément de blessés sur ce match-là. On a quand même les deux meilleurs buteurs du championnat, Bozok et Ayoli. Je l'appelle Ayoli, moi. Voilà, donc que dire de plus que ça va être un beau match. Nîmes, c'est 3 victoires, 2 nuls à l'extérieur. Voilà, c'est plutôt propre. Brest, c'est sympathique aussi. À domicile, c'est. Quoique, ils ont un peu de méforme. Ouais, bon, après, voilà, ça veut rien dire. Parce que moi, je me méfie des mecs. Match à domicile, surtout la Ligue 2. C'est aléatoire, donc on va faire ça, match nul ou Nîmes gagnant. Deuxième match, les mecs, je pars en Irlande, c'est un match qui joue à 16h, faites gaffe. Cork City qui accueille Bonnemans. Cork City sont premiers de leur championnat, 3 victoires, 1 nul, 1 défaite, c'est plutôt propre. À domicile, c'est 4 victoires, 1 nul, voilà, c'est correct. C'est une cote à 1,40, je combine les deux matchs, on a une belle cote quand même. Donc Cork City gagnant contre Bonnemans. Voilà les mecs, j'ai rien à dire sur ce match-là forcément puisque le championnat je le connais pas. Donc voilà, je sais qu'ils sont premiers du classement et ils jouent contre les 9e. Ça va être easy je pense. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais c'est quand même mon combiné sûr. Voilà, je reste là-dessus. Et par contre, l'autre combiné, je vais plutôt faire un combiné fun. Je vais un peu faire des matchs fun, ouais. Je vais faire un match qui joue toujours en Irlande, les gars. Match qui joue aussi dans l'après-midi. C'est le 7e qui accueille le 8e. St. Patrick's qui accueille Sligo Rovers. Et puis, c'est une cote à 1,70. C'est plutôt pas mal. Je vais mettre St. Patrick's gagnant. Deux victoires à la maison, un nul, deux défaites. Bon, voilà, on va jouer ça. C'est un match fun. On va jouer aussi victoire de Nîmes. Victoire de Nîmes, 2,40, c'est plutôt pas mal aussi. Et en fun, avec ça, je vais combiner but de Bozok. Bozok, buteur nîmois. Bozok claque énormément de buts. Et c'est une cote à 2,12. Voilà, vous avez 3 trucs, 3 matchs, enfin un match à jouer en fun. Un autre match, Nîmes gagnant, bien sûr, en fun, 2,40. Et Bozok qui marque 2,12. Trois petits funs qui peuvent payer les mecs, hein, sans déconner. Hein. Donc, à essayer, pourquoi pas. Ne jouez pas votre vie là-dessus, les mecs, je vous répète constamment. Gérez votre bankroll au minimum. Hein. Voilà, pas jouer sa vie là-dessus, c'est le mieux. Donc voilà, les mecs, on va rester là-dessus pour aujourd'hui. C'est lundi, c'est tranquille. Lundi, c'est repos.
Donc pas trop de matchs. Donc du coup dans la semaine ça va être très difficile de trouver des matchs. Mais bon, on va faire du mieux possible. Voilà les mecs. En vous remerciant les gars, n'oubliez pas d'aller bifurquer dans la description du bas. Il y a un peu de tout, il y a du Puma, il y a, voilà, il y a le mail, si vous voulez balancer un mail, qu'on discute de votre, gérer votre bankroll. Beaucoup de minots là, beaucoup de mecs 17-18 ans qui, voilà, qui se mettent dans les paris sportifs. J'en ai encore eu un sur Snapchat hier qui a 5 euros, il va arriver à 100 balles. Comment te dire que ça va être très difficile et très long. Donc voilà les mecs, si vous voulez des informations, quoi que ce soit, je travaille avec un mec qui est très lourd. Donc à vous de voir les mecs. La bise, ciao à tous. Profitez de la journée même si elle est pas belle. Bonne reprise du taf. Et à ce soir pour les pronos les mecs. Ciao. La bise, ciao.